risotto à la, avec cuit dans un bouillon de feuilles de clémentine, avec des, une compotée d'orange amère, un peu de compotée de citron confit, truffes de pays, feuilles d'oseille, jus de persil plat. Ça, voilà, c'est de la simplicité, beaucoup dans, dans ce que j'aime en fait. C'est, ça, aujourd'hui, ça peut être un plat, ça peut être une garniture, ça me correspond. C'est mon terroir. Ce qui m'intéressait, c'est, en fait, c'est d'utiliser tout dans la clémentine. C'est-à-dire dans la clémentine, je me suis dit, il y a les feuilles qui sont intéressantes. Dans les feuilles, avec les feuilles, j'ai fait un bouillon, parce que les feuilles, elles sont hyper aromatiques, donc j'ai fait un bouillon. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment d'aller chercher l'amertume. La douceur de la feuille de la clémentine par rapport au bouillon qu'on va amener. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'utiliser tout. La clémentine, le bouillon, les truffes, des petites feuilles d'oseille qui vont arriver au dernier moment. Voilà. Et les oreilles de cochon croustillantes. Et, on les poêle, tac, on les poêle, on les saisit. Oui. Pour qu'elles restent en fait, qu'elles se bloquent en fait. Et qu'elles restent justement, qu'elles ont leur texture. En fait. Exactement. Et après, on les fait confire doucement dans du sandou ou du gras de canard.